100% sur les fameuses émeraudes célestes, donc les tout simplement les étoiles vertes, hein. Prenez faisait juste ça comme raccourci, les étoiles vertes. Souvenez-vous, durant l'épisode précédent, on avait terminé le monde 6, tout simplement, à 100%. Donc, il nous reste tout simplement plus que les dernières étoiles vertes à récupérer dans le monde S. Vraiment, on avait terminé le monde 6 à 100%, hein, je vais vous montrer, mais on en avait, voilà, on les avait terminés, on a pu réussir à faire, du coup, les petites multiplanètes, là, je sais plus comment elle s'appelle exactement, cette galaxie. Mais voilà, et puis on avait fait, je crois, la toute dernière, l'usine interstellaire, voilà, le monde 6 est terminé, et on avait fait, souvenez-vous, du coup, voilà, les arènes interplanétaires, donc, et nous avons fait la fabrique de galaxies de Bowser, donc du coup, bah, aujourd'hui, on va s'attaquer au monde S, donc évidemment, hein, il y en a, bah, cette fois-ci deux partout, mais il y en a quand même, donc on va devoir tenter de les récupérer un maximum, donc, c'est pour vraiment vérifier, mais regardez bien, nous avons tout fini, sinon à 100%, le monde 1, le monde 2, le monde 3, le monde 4, le monde 5, le monde 6 et bientôt le monde S. Et donc du coup, ben, les amis, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons partir directement s'attaquer à la première galaxie du monde S dans le super, enfin, dans le côté Mario 2D dans lequel il y a deux étoiles vertes à récupérer. Donc écoutez les amis, c'est parti. Donc ben, voilà, on va tenter, hein. On va tenter. Alors, comète farceuse repérée. Alors du coup, étoile verte numéro 1. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, est-ce qu'on les voit? Je vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Ok, déjà ça commence bien. À partir de ce moment où tu vois rien, c'est que c'est la merde. Ok, oh. Des fragments étoiles, des fragments étoiles, des fragments étoiles, des fragments étoiles. Oh, partout, partout, partout. Alors du coup, on va pouvoir s'avancer. Et ils sont où là? Ils peuvent être dessous? Je m'en souviens même plus, ça fait... Oh, attendez, il y a des fragments étoiles quand même dessous là. Ça peut être intéressant de les récupérer. Ok. Il y en a une là. Il y en a une là. Alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais il y en a une là. Sachant qu'elles sont visibles, vous avez vu. Et il y en a une autre là-bas aussi. Donc elles sont visibles en fait. Elles sont visibles assez bien, tout simplement. Donc on va tenter de la récupérer déjà. Donc bon. Ça en fera une, donc là-bas elle est la deuxième. Bah écoutez, ça va normalement aller rapidement cette galaxie, honnêtement. Première étoile de l'épisode. Première étoile verte plus précisément. Et donc du coup, étoile verte numéro 1, parfait. 35 secondes. Alors du coup, des fragments étoiles. La partie a été sauvegardée. Bien. Oh, j'aurais dû récupérer des pièces en fait dans le niveau. Alors du coup, c'est parti, ben, on va finir, hein, le Mario 2D avec la toute dernière étoile verte. Bien, alors, comète farceuse repérée. Et du coup, l'étoile verte numéro 2. Let's go. Ok. Donc on sait que du coup, normalement, elle est tout à gauche. Tout en haut à gauche. Une plaque au-dessus des... une plaque au-dessus des plaques bleues en fait. Vous voyez, la plaque verte au-dessus des plaques bleues. La première plaque verte au-dessus des plaques bleues à partir du bas. Voilà, je veux dire. Alors, ok. Ok, ok. Par contre, il y a énormément de... Ça, par contre, honnêtement, toi, je te veux. Finalement, on va quand même se faire les pièces. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. J'avais oublié. Mais là, il faudrait quand même qu'on fasse... Tac, merci. Ok. Toi. Ok. Toi. Non. Non. Oh. Sérieusement? Ah bah ok, il a disparu. Mystérieusement, mais il a disparu. Il est parti dans le vide. Chose que je voulais pas, mais écoutez. Oh bah il a repopé, tiens. Allez, la RNG, merci. La RNG quand elle est avec nous, c'est un plaisir. Donc, ah non, pas une plaque, trois plaques, ok. Une, deux, trois. Ok, on saura où aller déjà. Ok, ok, merci. Donc normalement, elle est... ici. Voilà. On devrait tomber pile dessus. Et ben voilà. Bon, ben, deuxième étoile verte de l'épisode. Hein. Ça va aller vite. ben putain, non, ils sont pas tous comme ça. Je sais que le prochain niveau, il y en a une, je sais où aller parce qu'elle m'a énormément posé de soucis en étant plus jeune. Mais l'autre, par contre, je sais pas du tout. Alors, 230. Hey, une nouvelle dizaine. La galaxie terminée. 5025 fragments étoiles à notre possession. Les amis,
Ça limite encore des épisodes phares, me dites-vous, hein. Ça limite des épisodes phares. Alors, du coup, la prochaine, hein, écoutez. Donc, la prochaine, c'est le manège arc-en-ciel dans lequel il y a deux étoiles vertes. Donc, c'est parti. Alors là, je sais qu'il y en a une ultra difficile. Comète farceuse repérée. Et elle est même classée en général dans les top 1 des étoiles vertes les plus difficiles chez beaucoup de personnes. Enfin, pour les gens qui disent, vous voyez les vidéos qui a marqué top 10 hardest, ou top 10 hard. Vous avez vu, il y en a une même. Wing Stars, etc. Alors, du coup. C'est parti. Attendez. Hop, voilà. Les chevaux au milieu, évidemment. C'est pas un très bon bail, sachant que là. Ah oui, c'est vrai que on peut pas trop piloter. C'est vrai qu'on peut pas trop piloter, faut faire attention. Voilà, enfin, dans le sens, c'est. Il faut faire attention pour piloter ça. Ok. Bon. Alors, je sais que la première, elle est à gauche. Mais elle est assez compliquée parce qu'il faut avoir énormément de vitesse, si mes souvenirs sont bons, et viser juste. Voilà, vous avez vu où aller. Donc le problème, c'est que... Ouais, le problème, c'est que je n'aurai pas assez de vitesse. Ça va être chaud. Voilà pourquoi je vous avais dit, parce qu'en plus, évidemment, j'ai pas de chance parce que j'ai le Goomba au milieu. Donc évidemment, si je me mange le Goomba, c'est fini. Si je me mange le petit Goomba, c'est terminé. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'elle était très difficile. La deuxième, non, un peu moins. Un peu moins. Mais la première, elle est vraiment... une difficulté sans nom. Honnêtement, une difficulté insultante, honnêtement. Donc bon, on va tenter encore. Là, en fait, tout dépend de la RNG du combat. C'est ça le problème. C'est que je peux viser juste, mais il faut... Ouais, j'ai pas de chance. Il commence à aller au milieu. Là, j'ai pas le choix. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis vraiment... c'est abusé. La RNG, je ne sais pas quoi faire, honnêtement... Et en plus, il freine de ouf la boule. Alors, c'est vrai qu'il y a moyen de revenir en arrière et tout, mais c'est ultra long, les amis. C'est vraiment plus long que de revenir au tout début et d'aller jusqu'à la plateforme. Après, c'est vrai qu'on aura les combats moins. Donc, on peut retenter avec les combats moins. Bon, vous savez quoi, si on échoue là, on va pas décéder, on reviendra en arrière. Parce qu'il y a moyen de revenir en arrière, mais... voilà, si on n'arrive pas là, on va... On va voir, sachant que là, du coup, on va se concentrer. Allez. Ah là là, putain. Allez. Oh putain, le chemin. Oh putain, j'aurais jamais cette occasion. Donc là, il y a moyen, hein, mais c'est ultra chaud, quoi. Oh là là, putain, d'accord. Allez. En plus, c'est frame par frame, parce que malheureusement, la boule, une fois que si je fais pas ça frame par frame, c'est fini. Je retombe en bas, ah d'accord. Ok, vas-y. La bombe explose. Ça serait bien sur moi. Oh là 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 là. J'ai juré, c'est vraiment n'importe quoi. Peut-être tenter d'éliminer les gombas en premier. Comme ça, au moins, on aura déjà l'accès tranquille. On va faire ça par étape. Vous allez voir, on va faire ça par étape. Eux, c'est pas gênant, hein, même si honnêtement, si ils sont gênants. Mais eux, ils sont pas non plus ultra gênants. S'il te plaît, monte. Merci. Vous avez eu. Là, vraiment, le but est de les éliminer un maximum, comme ça on part du début et on a juste à tracer, quoi. Voilà. Donc là, je sais qu'il y en a deux sur le parcours, donc on va y aller doucement pour pouvoir les éliminer. Voilà, parce qu'après, il faut gagner énormément de vitesse, voilà. On revient en arrière. Maintenant, on a éliminé le passage. Donc c'est parti. On revient en arrière, attention, ne pas tomber dans le vide. On revient en arrière tranquillement. Et après, on va aller du début. Voilà, au moins jusqu'à la plateforme violette, voilà, ici. Et, je sais pas, honnêtement, je joue daltonien, donc ça dépend. Là, on va tenter en espérant qu'on y arrive, sachant qu'elle est assez compliquée. Je savais que j'allais échouer parce que j'étais même pas dans l'angle, malheureusement. Enfin, j'étais pas droit. Aïe, c'est difficile cette étoile. Honnêtement, oh là là, putain, le temps de remonter, ça prend un temps de chien. Honnêtement, c'est l'étoile la plus horrible, une des étoiles vertes les plus horribles. La deuxième, ça va, elle est beaucoup plus facile, honnêtement, la deuxième. Mais la première, en fait, c'est une horreur, quoi.
Putain, j'imagine par contre ça peut niquer des. Alors peut-être il y a une autre strat au niveau des speedrunners, mais où il y a un setup à avoir, mais en tout cas ça devrait peut-être ni même niquer des runs parce que. Allez, go! Oui, nous l'avons eu! Yes! C'était chaud, mais nous l'avons eu! C'est bon, on sent mal, mais on l'aura eu. Vous avez trouvé une étoile. Donc ça fera notre troisième étoile aujourd'hui. Donc déjà le quota, il est atteint. Voilà, le quota moyen, il est atteint. Alors, du coup, 231. Ok. Et des pièces, beaucoup de pièces à les donner. Bien. Bah du coup, on va tenter de récupérer la deuxième étoile verte, hein, de cette galaxie. Donc, dans le manège arc-en-ciel. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, gommette, farceuse, repérée. Alors, du coup, étoile verte numéro 2. Évidemment. Donc, on sait où aller, hein. Elle est tout en bas. On voit même, normalement, l'apercevoir durant cette cinématique. Voilà, vous pouvez voir tout en bas à droite. Donc, c'est juste une question de perceptive et tout, en fait. Donc, je crois qu'il faut même pas sauter. C'est d'ailleurs même l'erreur. Il ne faut surtout pas sauter. Parce que sauter, on ira trop loin. Donc, il faut juste ajuster à la vitesse du perso. Donc, en fait, je récupère les pièces, même, mais ça peut me servir à rien. Ça, vraiment, ça peut me servir à rien. Ok. On va prendre le parcours professionnel à droite. Pour les professionnels. J'adore pour les pros. Attends, même si on l'a réussi du. Enfin, même si on l'a réussi pas du premier coup. On a quand même une chance de la réussir du premier coup, mais. Oula. Alors, celle-là, il faut pas faire l'erreur. Il me semble que quand j'étais un petit peu jeune, je sautais pas. C'était l'erreur à ne surtout pas faire. Par contre, il faut juste ajuster la vitesse, donc pas non plus trop fort. Non, un peu plus loin quand même, c'est un peu plus loin. Donc c'est après, voilà, c'est après cette rampe-là. Donc du coup, ouais, c'est normalement vers en bas, là. Enfin, vers en bas, c'est pas très français, mais en bas, en tout cas. Ok. Donc là, à surtout pas faire l'erreur. À ajuster la vitesse. Ajuster. Bon, normalement, on peut y arriver. C'est bon, on y est arrivé. Faut juste ajuster la vitesse parce que si j'aurais été. Si je serais vraiment. J'aurais foncé comme un dingue en mettant la Wiimote la plus. Horizontalement possible. On serait été. Ouf. Ça aurait été fini, quoi. Bon, ben. En tout cas, ça c'est fait. Et donc des pièces, oui, 64 pièces. Et 6300. Enfin, 6333. Très beau chiffre. C'est un très très beau chiffre. Alors, du coup. Très beau chiffre. Et donc du coup, bah, les amis, on a un peu le temps, hein. Alors ça, on va pouvoir du coup s'attaquer à la nouvelle galaxie, le tournebroche rétro, hein, dans lequel il y a deux étoiles vertes. On va tenter de récupérer peut-être les deux aujourd'hui, hein. Ce serait bien, comme ça au moins la fois prochaine on se laisse les dernières. En tout cas, comète, farceuse, repérée. Et donc du coup, c'est parti pour l'étoile verte numéro 1. Les tournebroches. Alors évidemment, au niveau de Super Mario Sunshine, hein, totalement repris. Vous avez vu qu'il y avait une étoile verte à droite et une deuxième étoile verte à gauche, parfait. Ok. Alors là, s'il y a Yoshi, c'est parfait parce que je m'en souviens plus s'il y a Yoshi, mais s'il y a Yoshi, pour faire le glitch, c'est génial. Honnêtement. Ouais, parce qu'on va vraiment pas se casser le cul, hein, on veut vraiment pas échouer tout le temps parce que c'est chiant. C'est chiant d'échouer. Ah, donc en fait, c'est des nuages à la con. Okay, bon. En fait, ça va pas non plus être ultra compliqué, quoi. Attendez, est-ce qu'on est assez insolent? C'est bon, on est assez insolent. On est assez insolent. Aïe, on est assez insolent. Bon, ben, cinquième étoile verte aujourd'hui. Cinquième étoile verte. Oh, c'est assez dingue. Honnêtement, on est en train de les. De les défoncer, ce monde-là. Alors, pourtant, je me précipite pas, hein, j'y vais tranquillement. Vous avez vu, hein, je récupère des fragments étoiles ou même des pièces. Si j'aurais vraiment voulu y aller vite, tout ça, ça serait non. Et on aurait peut-être même fini. Vraiment, à cette heure-ci, honnêtement, on aurait peut-être fini. Et donc, du coup, bah, les amis, normalement, dernière étoile verte de l'épisode dans la tournebroche rétro. Normalement, je dis bien, on n'est pas quand même à l'abri d'un petit truc, mais normalement c'est la toute dernière. Et donc du coup, comète,
farceuse repérée, étoile verte numéro 2. Donc ça fera 6 étoiles aujourd'hui. Mine de rien, on aura fait la moitié du monde aujourd'hui, c'est génial. La moitié du monde. Donc ouais, ça va pas tenir très longtemps ce monde là. Alors du coup. Ok. J'adore ces tournebroches. Boum. Attention. Ouais, faut faire très attention quand même. Alors du coup. Niveau. En plus c'est drôle parce que à l'heure actuelle on a déjà on vient de finir le port Echo. Donc c'est vraiment assez dingue la coïncidence. Honnêtement honnêtement c'était pas du tout prévu. C'était vraiment pas du tout volontaire mais. Est-ce qu'il y a un nuage? Pas loin. Non parce que là ça va me faire flipper. Ok. Ok. On va. Hein, dites-vous qu'il s'est rien passé. On reprend hein, la deuxième étoile. Non, quand même pas. Mais voilà, putain, vraiment je suis dégoûté de ce fail monumental. J'ai voulu faire une charge, un saut en longueur, il a fait une charge au sol. Une attaque gros déo quoi. Chose que je ne voulais pas du tout. On va quand même rester insolent. Hop, voilà. Ok. Alors, elle est ouf précisément par contre. Parce qu'on l'a vu, mais. Ok. Est-ce qu'elle est ce côté ou pas? Elle est ouf. Elle est là. Ok, elle est là. On est insolent ou pas? On est insolent. Bon, en fait, après, il n'y a plus rien. Quoi. Après, il n'y a plus rien. Bon, c'est fini de l'insolence. C'est parti. Bah alors, oula, ok. Et du coup, notre dernière étoile verte aujourd'hui. Notre dernière étoile verte. Et encore, est-ce qu'on est fou? Honnêtement, est-ce qu'on peut tenter une dernière étoile verte aujourd'hui? Honnêtement, vu le temps, honnêtement, c'est tentable. Honnêtement, c'est tentable. 234, on va peut-être tenter une dernière étoile verte aujourd'hui. Vous savez quoi? Bien, des fragments étoiles. Allez, c'est parti. Dernière étoile verte aujourd'hui. Parce que là, il nous manque 2 minutes. 2 minutes. Honnêtement, je pense qu'on peut quand même avoir le temps. Et on va du coup partir dans le cyclone de pierre. Avec du coup 2 étoiles vertes à notre portée. Mais on va quand même récupérer une des deux déjà. Et la prochaine fois, on récupérera la deuxième en revanche. Parce que là, on ne peut pas être trop gourmand non plus. Comète, farceuse, repérée. Et donc, c'est parti pour l'étoile verte numéro 1. Alors, ok. Ah, j'en ai vu une déjà. J'ai vu mon record, mais j'ai pas vu les. Ça en avait d'autres. Une là. Putain, par contre, c'est. Oh, ouais, c'est vrai que c'est un niveau de merde. C'est pas un niveau de merde, mais dans le sens, vous m'avez compris. C'est. Il y en a une. Non, les deux sont là-bas. Ils sont loin. On les voit. Une et deux. Ok. Bon, ça va. Ça va. On les voit. Ah, oui, c'est vrai que c'est un niveau. Non, c'est vrai que par contre, faut sauter sur les ennemis. Attendez, faut vraiment faire très attention à ce type de niveau. Il en récupère 2 fragments étoiles. Hein. Hop. Voilà. Plus là. Je crois qu'il en reste un rouge. Parfait. Ok, bah putain, c'est vraiment pas là. C'est pas évident de tout ramasser. Allez, go. Maintenant, on va tenter de le calmer. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu sautes de travers? J'ai juré, pourquoi tu sautes de travers? Ok. Allez, passe. Allez, accélère. Merci. Non. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un chat qui miaule. J'arrive. Ouais, parce que du coup, ça me fait flipper, moi, sur le moment. Ça me fait flipper sur le moment parce que elle miaule comme ça. Alors, peut-être c'est un petit râle. Parce que je sais que les chats peuvent aussi avoir un petit râle. Mais ouais, ça fait quand même un petit peu flipper, hein, un petit peu. Surtout quand tu t'y entends pas, quoi. Je me suis dit, si elle a bobo à quelque part, ouais, parce qu'en plus, on l'a déjà dû l'amener au veto pour un abcès, ou d'ailleurs, dans lequel elle a pleuré.
Elle a pleuré et tout, la pauvre. Tellement qu'elle avait mal. Vraiment, en 24 heures, ça c'est gros, ça c'est. Elle a eu mal. C'est abusé. Donc, évidemment, hein, quand on s'est. Enfin. Quand on s'est aperçu, évidemment, quand elle s'est laissée. Elle s'est laissée. Allez! Quand elle s'est laissée approcher. Parce qu'évidemment, madame, là, le matin, elle va dehors. Hein. Mais. Voilà quoi. Oh putain, wow, c'est vrai que c'est la merde. Vraiment, ce côté-là. Oh putain. Oh, c'est vraiment la merde. Oh non, oh non, oh non. Ouais, d'accord. I'm dying, I'm dying. Non. Pam dying, pam dying, pam dying. Ok. Ok, calmez-vous. Hein, j'ai vraiment dit calmez-vous. Hey. Bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est vraiment un niveau de merde. Ouh. Putain, c'est vraiment un niveau de merde. Vite, on va tenter vite de récupérer celle-là. Et après, on va s'arrêter là parce que là, c'est vraiment un niveau. Où tu peux pas tout récupérer. Oh pardon, attendez, juste pour avoir la pièce quoi. Comment voulez-vous? Peut-être de là-bas. Ouh là là, alors ça là par contre, pour l'épisode prochain, ça va être un bordel. 1, 2, 3. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. 1, 2, 3. Oh putain, je vais hurler. Vas-y. Là il va passer. Et putain, c'est une blague. Putain, genre les triple sauts, ça ne passe pas, c'est une blague. Ah, putain, je peux pas. Avec le cube à la con. Attends, on va attendre qu'il fasse un tour. 1, 2, 3. Putain, oh là là. 1, 2, putain, je saute. Attendez, attendez. On va tenter une autre technique. Comme ça, est-ce que comme ça, à votre avis, ça peut passer? Oh, tu peux pas, what the fuck? Comment voulez-vous faire? Non mais vraiment, comment voulez-vous? Peut-être faudrait ralentir le temps, non? Est-ce que j'aurais le temps de ralentir le temps et d'aller là? Là-bas, il y a un autre ralentisseur de temps, mais... C'est-à-dire qu'il faut... Oh, c'est la merde. Ah, tu peux pas. Ah non, il faut ralentir le temps et monter sur le cube au pile au moment où il passe. Je vois que ça, hein. Ouais, parce qu'en fait, il passe sur un moment où il n'y a pas le trou, donc... Ah, tu peux pas. Ah, ouais, je sais, mais tu peux pas. Aïe, quelle misère, cette étoile-là. Oh, putain, tu peux pas. Il faut ralentir le temps. Il n'y a pas le choix, il faut ralentir le temps. Bon. Trouvons le ralentisseur de temps. Hein? Déjà. Et il faut avoir le temps aussi d'y aller. Et il faut anticiper la trajectoire. Attention. Oh putain. C'est chaud ce que je veux faire. Top! Ouais, donc en fait, ça c'est. C'est bien. J'aurais dû finir peut-être la vidéo sur la dernière étoile de la tour de broche. Je sais pas qu'est-ce que je me suis engouffré là-dedans pour aller là. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai voulu lancer cette étoile de merde. Mais j'ai voulu en tout cas. Juste parce qu'il manquait 2 minutes. Bah putain, c'est bien. Cette étoile nous a pris, va nous prendre 40 minutes. C'est une blague là. Non, vraiment, non mais c'est une blague. Comme je vais exploser. Des manettes, des ennemis, exploser des gens. Bam, dégage. Ah putain, s'il vous plaît. Oh mais récupère là. Allez, accélère. Merci. Aïe aïe aïe, j'aurais dû m'arrêter là. J'ai vraiment été très stupide. J'ai été trop gourmand. Voilà. Vous voyez, la gourmandise est un vilain défaut. Vous l'avez dit. C'est bizarre, je vais le présenter en fait ce épique troll. Attention. Ok. Oh, doucement. Ok. À part ralentir le temps. Il y a un autre. Putain, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre côté où il y a un ralentisseur de temps? On va quand même aller voir. Non, il n'y a pas d'autre côté, hein. Il n'y a que ça, hein.
Oh là 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 là. Oh, j'ai juré, c'est une complicité de machin. Mais là, cette fois-ci, c'est une blague. Alors là, je n'ai rien compris. Ok, bon, bah tant mieux, hein, mais je n'ai clairement rien compris. Ah. Je sais pas pourquoi elle a voulu là et de l'autre côté non. Ma foi, bon bref, ça c'est fait. Bon ben on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça peut être le bon bail, hein. Écoutez. Bon ben on aura quand même récupéré, je crois, 7 étoiles aujourd'hui. 2, 4, 6, 7, ouais, c'est ça. Donc mine de rien, ce n'est pas très dégueu. Donc la fois prochaine, tout simplement, nous irons tout simplement ben, récupérer la dernière étoile verte du cyclone de pierre. Si nous galérons pas et si nous avons le temps, nous irons tout simplement nous rendre dans le boss à la chaîne et ainsi dans le couloir à coulisses. Je pense qu'honnêtement ça peut être les dernières étoiles qu'on fera la fois prochaine, tout simplement, avant de s'arrêter là. Donc du coup ben, parce que je sais que rien qu'ici c'est chiant. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je pense que du coup l'épisode prochain, les amis, voilà, l'épisode prochain peut être intéressant. Donc allez du coup voir l'épisode prochain qui sortira. Je sais pas quand, honnêtement, je sais vraiment pas quand il sortira. Donc voilà, il ne manque vraiment plus beaucoup, plus là une dernière galaxie bonus, hein. Je vais pas vous spoiler qu'est-ce que ça va être, mais une dernière galaxie bonus. Donc écoutez, on commence mine de rien à se rapprocher de petit à petit de la fin du jeu. Et après évidemment il y aura les épisodes farm, hein, les fameux épisodes farm. Mais en tout cas voilà, on commence à se rapprocher mine de rien de la fin du let's play. Et on se retrouve du coup ben, tout simplement peut-être la semaine prochaine, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.